Tu m'entends quand je parle? Super, c'est très gênant. Slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après quelques semaines d'absence, j'avais quelques petits trucs à gérer, dont le déménagement, parce que vous voyez qu'on n'est pas au même endroit. Enfin bref, vous l'avez vu, aujourd'hui je vais vous montrer mes chaussures. On me l'a demandé, je trouve que c'est une super idée, donc je vais vous montrer mes chaussures. Et j'ai pas besoin d'en dire plus, puisque tout est dans le titre. On va commencer par les talons. Oui. On commence avec cette paire qui est une paire de donc d'escarpins de chez Primark. J'y suis allée avec ma cousine au Primark de Lyon-Pardieu, le super gros centre commercial là. C'est un jour où je me suis acheté, je crois, 3 paires de chaussures dans la même journée, mais parce que c'était les soldes. Et non, j'ai pas d'autre excuse clairement. Elles sont ouvertes sur le côté. Bon, elles sont un petit peu grandes, donc je les perds un peu. Par contre, elles m'ont niqué le pied une fois. La tache a disparu, mais j'avais une grosse tache de sang dans ma chaussure. C'était dégueulasse. Voilà pour mes chaussures. Ensuite, j'ai une paire de nude de chez San Marina. Donc, petit escarpin, bourron. Ça là, je les ai achetées au San Marina de Toulouse, rue Saint-Rome. Je pense qu'elles n'existent plus. Ensuite, j'ai une paire de Guess rouge. Donc ces seins là que j'ai acheté le même jour que les Primark, je les ai achetés au Guess donc de Lyon-Pardieu. Je les ai eu à moins 50 comme l'autre paire que je vais vous montrer. Et franchement, si je peux vous conseiller un endroit pendant les soldes, c'est Guess. Guess met tout en tout à moins 50, donc toutes leurs chaussures, tous leurs sacs, la petite maroquinerie aussi, leurs vêtements, enfin vraiment, Guess pendant les soldes, c'est une des rares marques qui vaut le coup. C'est pour ça que j'ai pris une deuxième paire, parce que du coup pour le prix d'une paire j'en avais deux, donc clairement je me suis fait plaisir. Voilà la deuxième paire que j'ai achetée ce jour là, donc elles sont un peu iconiques chez Guess. Elles sont un peu fragiles en fait, c'est ça le problème, c'est parce que comme elles sont en cuir elles sont hyper fragiles. Elles ont l'air très hautes, mais comme la plateforme de devant est assez grosse, en fait elles sont pas si hautes que ça et elles sont hyper confortable. Ensuite j'ai cette paire là, c'est une de mes paires préférées. Je les ai achetées à Agen dans une petite boutique indépendante qui s'appelle Cendrillon, un truc comme ça. Et franchement elles tiennent grave le coup parce que de toutes mes chaussures c'est celle que j'ai le plus mise. Après elles font très mal aux pieds parce qu'elles sont très hautes et que là il n'y a vraiment pas de plateforme, on est quasiment sur du 12. Ça là vous les connaissez, vous les avez vues dans ma vidéo luxe. Si vous ne l'avez pas vue je vous la mets dans le petit i. Je suis grave une productive. Bref, ce sont mes Aquazura, donc que j'ai acheté à Nice, à la boutique Jean-Charles à Nice. J'ai fait une photo Insta avec, donc pareil, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Et j'ai donc pris une photo de ces chaussures-là, que j'ai d'ailleurs prise dans l'hôtel où on était à Nice. Et l'hôtel à Nice m'a reposté sur leur Instagram, donc vraiment je me sens tarpin fraîche. J'ai l'impression de percer un petit peu, vous voyez. Pas du tout. Pour continuer, j'ai cette paire de chaussures de chez Texto, donc c'est des chaussures à bourron, elles se lassent autour de la cheville. Et c'est une paire que j'ai achetée en 37, parce que je les ai achetées il y a pas mal de temps, donc quand je faisais du 37. Je me souviens, c'était mon cadeau à moi-même pour la Saint-Valentin, parce que j'avais pas de copain, et que ça me saoulait, que toutes mes copines qui sont des mecs, elles reçoivent des cadeaux et que moi j'en ai pas. Donc pareil, cette paire est hyper confortable. Ensuite j'ai une deuxième paire de chaussures de chez San Marina, celle-là aussi je les ai achetées à Agen avec ma cousine, mais je les ai achetées dans un espèce de truc
truc outlet. Il y a la petite plateforme devant et tout. Enfin, elles font un peu mariage, quoi. Donc, c'est pour ça que je les mets pas souvent. Et pour finir, dans les chaussures blanches, oh, j'ai un truc sur le nez. C'est des sandales de chez Heads Over Heels. Je crois que je les ai achetées sur Asos. Je suis hyper difficile en chaussures compensées. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc. J'ai trop du mal à trouver mon bonheur. Et donc, les meilleures de ma collection, les plus belles de toutes. Mes boutins. Donc c'est le modèle Socate de chez Le Boutin. Le talon est de 12 cm, n'a pas de plateforme et c'est à bout pointu. C'est un modèle iconique de la maison que j'ai pris en 38,5 et que j'ai acheté donc à la boutique Jean-Jacques Rousseau à Paris, qui est la toute première boutique qu'a ouvert Christian Le Boutin quand il a commencé à... Enfin, quand il a eu sa boutique, c'était même son atelier en fait. Il avait la boutique à l'avant et à l'arrière, il avait l'atelier un peu dans le même style que Coco Chanel quand elle avait son appartement à l'étage et sa boutique en bas. J'ai enlevé mes lunettes de soleil parce que de un, on n'est pas à l'extérieur et de deux, ça me gênait. J'ai aussi deux paires de bottes bottines. Donc j'ai cette première paire de bottines qu'on m'a données, il me semble. Elles sont de chez... Ben, aucune idée. Il n'y a pas la marque. Mais bref, il y a un petit pompon, elles sont en suédine noire. Le talon est assez gros, mais elles sont hyper confortables. Et pour finir avec les talons, j'ai cette paire de bottes de chez San Marina. Elles sont hyper confortables aussi. Elles sont assez serrées devant, elles sont à bout arrondi, mais plutôt pointu. Dans la journée, au bout d'un moment, ça commence un petit peu à faire mal aux pieds, mais sinon, elles sont hyper confortables. Ça et les bottines, je les porte toute la journée sans souci, vraiment. On va continuer avec mes baskets. Première paire, ce sont ces New Balance qui datent. Elles sont complètement éclatées à l'intérieur, d'ailleurs un peu partout, elles se sont ramollies et tout, mais je sais pas, je les kiffais. Et c'est le modèle numéro 410. J'avais une paire de Nike Cortez, donc les chaussures de bowling, que je kiffais vraiment, que j'avais acheté au lycée. Et entre temps, j'ai tellement kiffé cette paire que j'ai voulu acheter une autre paire de Nike Cortez, mais que je mettrais plus pour les soirées, etc. Et je sais pas pourquoi j'ai décidé de prendre celle-là, parce que du coup depuis je les mets pas tellement. Mais c'est cette paire, elles sont un peu space, vu comme ça. En vrai, ça aurait été un autre modèle, ça passait vraiment de fou. Mais là, comme c'est des Cortez avec le bout arrondi et que ça fait pas l'unanimité, forcément ça va pas plaire à tout le monde. Faut les porter, quoi. Et c'est plus tellement mon style, donc je les mets jamais. Ensuite, j'ai une paire que j'utilise pareil, plus comme les Cortez, dans un sens où je les mets pour aller dans le jardin, des trucs comme ça, enfin genre pour... NR pour aller dans le jardin, j'ai un jardin depuis deux jours, mais bref. C'est des petites Nike comme ça, je pense que ça fait partie des collections de running. Donc elles sont rose pâle, elles sont tellement confortables, tellement légères, c'est un truc de fou. Enfin là je les adore, vraiment elles sont trop mimes, mais pareil je les mets pas pour la vie de tous les jours quoi. Ma mère a travaillé pendant 20 ans chez Nike, donc comment vous dire que acheter des chaussures, des baskets autres que des baskets Nike, c'était un peu proscrit. Et surtout, surtout les Adidas. Moi j'ai attendu cette année pour acheter des Adidas. Et donc j'ai acheté une paire de Stan Smith. En fait les Stan Smith pendant longtemps c'est des chaussures qu'on a vues partout. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais ça a fait pareil pour les McQueen par exemple. Ouais, c'est le côté genre c'est à la mode, il en faut. Et ça, ça m'énerve parce que j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que j'achète. Sinon à part ça j'ai un super caractère, je suis très calme. Tout ça pour dire que j'ai acheté des Stan Smith du coup très récemment. Je les ai achetés à Nice quand je suis partie à Nice avec mon chéri juste avant le confinement. C'est une des rares paires de Stan Smith que j'aime bien. Je commençais à avoir besoin d'une paire assez fine qui soit pas genre dad shoes comme les Air Force ou les No Name que je vais vous montrer après. Et une paire qui soit plus fine, que je puisse mettre avec des jupes. Donc c'est parfait, elles sont toutes simples et c'est nickel, c'est exactement ce que je recherchais. Avant dernière paire, donc c'est ma paire de No Name qui est clairement dégueulasse parce que je l'ai mis tous les jours. Une ou deux fois sur deux, allez sur deux trois filles j'avais vu des No Name. Mais j'en avais quasiment jamais vu de ma vie. Je trouvais que ça changeait de ouf, que c'était hyper original et que j'aime bien les grosses chaussures. J'ai vu ces chaussures dans une boutique de ma vie et je me suis dit, je suis passée à côté une fois, je passerai pas à côté deux fois. Et pour finir, on finit en beauté avec ma paire de chaussures préférées de toutes. Je possède qu'un modèle, mais j'aimerais bien toutes les avoir. Ce sont mes Air Force. Les Air Force, c'est intemporel, c'est beau, c'est stylé. C'est des chaussures qui sont belles, même quand elles sont abîmées. Et donc, je les ai prises comme ça, avec le swoosh en pêche. Par contre, je les aime pas du tout en toute noire. Toute noire, je les aime pas du tout comme ça. J'ai vraiment du mal avec les chaussures noires. C'est pour ça que quand je suis tombée sur les Puma Kali, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était la première fois que je trouvais des chaussures noires belles. Avant de conclure la vidéo,
vidéo, je voulais vous dire que j'ai mis un petit sondage dans le i pour savoir si vous voulez que je vous fasse un haul parce que je suis allée chez Bershka récemment et j'ai acheté quelques trucs dont cette petite veste lila très à la mode, très mini à air et j'ai acheté d'autres petits trucs donc je voulais savoir si vous vouliez que je vous fasse un haul, allez voter dans le petit i. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, allez me suivre sur mon Instagram que je vous affiche juste ici ainsi que sur mon Pinterest que je vous affiche aussi juste ici. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine, bye.